Coucou à tous, aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une journée avec nous, donc dans ma vie de maman et de femme au foyer. Donc je vous ai pas filmé le tout début, quand je lève les enfants, que je leur donne le petit déjeuner, que je les habille et tout, je réserve ça plutôt pour une morning routine. Bon, de toute façon vous savez un peu comment ça se passe pour celles qui me suivent un peu depuis longtemps. Donc on se retrouve directement au moment où je change bébé de la nuit, donc voilà, évidemment directement dès que bébé se lève, on se change. Et je lui fais les soins habituels, donc changement de couche, je mets des nouveaux habits. D'ailleurs, ça c'est un ensemble qui vient de chez H&M que j'avais énormément aimé. Et ce matin, bébé s'est réveillé avec les yeux collés et un peu larmoyant. Donc j'ai mis du collier qui me restait de la dernière fois. Et j'ai nettoyé du coup avec une compresse stérile. Et je lui ai coupé ses petits ongles, donc j'ai voulu filmer, sauf que j'ai oublié d'appuyer sur la caméra. Et du coup, j'ai tout fait ça dans le vent sans que ce soit filmé, désolée. Et après avoir pris le biberon, être restée un peu éveillée, je couche bébé. Donc là, c'est sur les alentours de 11h30. Toujours une petite sieste le matin. Donc comme d'habitude, l'emmaillotage. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé à quoi ça servait. Donc en fait, ça sert à rassurer bébé. Donc, ça dépend des enfants. En tout cas, chez moi, l'emmaillotage, ça marche super bien. Bébé a 5 mois et on lui met encore. On n'a pas le choix, sinon les nuits ne sont pas faites. Et bébé ne dort pas pendant ses siestes. Donc voilà, après, ça dépend des enfants. Comme j'avais dit à une abonnée, j'en ai parlé avec mon pédiatre qui est complètement d'accord et qui m'a toujours dit « Le jour où votre bébé n'en aura plus besoin, il vous le fera savoir. » Donc pour l'instant, on reste sur l'emmaillotage. Je fais vite fait mon lit avant de fermer les rideaux et tout pour qu'il puisse avoir la pénombre et que bébé fasse sa sieste. Donc je fais ça vite fait. C'est tout simple, hop, je remets les coussins, la couette, pendant ce temps là je laisse aérer et je vais laisser ça comme ça 5 minutes et ensuite je vais fermer les rideaux. Et vraiment ce bébé est magique, en 5 minutes l'endormissement est fait, c'est incroyable. Bon après c'est surtout grâce à ce petit mobile qui vient de chez Tiny Love et qui est vraiment top. Pendant ce temps, moi je me suis habillée tout simplement avec juste un legging et un t-shirt. De toute façon, c'est ma tenue de base pour tous les jours. Mais alors là, maintenant qu'on sort plus de la maison, vous pouvez être sûr que je suis encore plus comme ça. Je me suis coiffée, donc j'ai juste remis de l'eau dans mes cheveux. J'ai fait un chignon tout simple. J'ai mis du gel pour plaquer. Et ensuite, je vais me maquiller tout simplement avec de l'anti-cerne, du mascara, je vais refaire mes sourcils et voilà, c'est aussi simple que ça pour rester un minimum fraîche parce que sinon j'ai une tête de déterré, mais c'est pas non plus le make-up de l'année ou de la soirée quoi. Une fois prête, je vais préparer le repas des enfants. Donc pareil, le midi, je vous ai toujours dit, soit on mange ce qu'il nous reste de la veille ou s'il n'en reste pas. Là, pour le coup, on avait mangé un barbecue, donc il ne restait plus rien. Je fais un plat tout simple, tout le temps. Comme ça, au moins, je ne me casse pas la tête. Donc là, j'ai pris des carottes râpées qui étaient déjà faites et je leur ai fait une omelette. Donc c'est tout simple et les enfants aiment beaucoup ça. Et du coup, comme je vous avais montré en story Instagram l'autre fois quand j'ai fait les crêpes, j'ai des petits moules que l'on met dans la poêle pour pouvoir faire soit les œufs au plat, soit les omelettes. Et c'est en forme soit d'ours, soit de cœur et ils aiment beaucoup.
Et donc je vais faire leurs omelettes dans ces petits moules, donc là en forme de nounours parce qu'ils adorent ça. Je les ai pris chez Noz, bon il y a un petit moment, et vu que vous savez chez Noz c'est toujours des arrivages permanents, je pense pas que vous allez pouvoir les retrouver, mais j'ai essayé de vous trouver un lien Amazon pour que vous puissiez les commander si jamais vous les voulez. Faites attention selon les poêles comme celle que j'ai mise, quand le moule est un peu trop gros du coup bah, c'est incurvé et le mélange part en dessous, donc comme vous avez pu voir l'ours ne s'est pas fait entièrement, il y a eu des petits morceaux qui sont mis sur le côté, donc je les ai enlevés, je les ai mangés moi plus tard, hein, comme une gourmande. À chaque fois, dès qu'il y a un truc qui dépasse de leurs assiettes ou quoi, je mange tout le temps. Donc après, on se demande aussi pourquoi je grossis. Voilà comment ça se fait. C'est parce que je chipe toujours les petits trucs qu'ils laissent à droite, à gauche. Bref, du coup, je vais leur faire leurs omelettes. Donc pour Maddy, j'en ai fait deux en forme d'ours. Pour Noé, une seule. Et après, je lui ai fait une grosse omelette parce que voilà, il est un peu plus grand et que les petites omelettes en forme d'ours, c'est trop petit pour lui. Noé m'a dit, on mange. Allez, on se lave les mains. Pourquoi? Et maintenant, ils passent à table. Donc, comme vous voyez, c'est super simple pour eux. Maddy, je lui dis de rouler ses petites omelettes. Et Noé, bon, il mange avec son couteau et sa fourchette. Et c'est très simple à faire. En 5 minutes, je les fais. Eux, ils se régalent. Et au moins, ils peuvent manger aussi équilibré. Et moi j'avais pas très faim à ce moment-là, donc du coup je me suis occupée de ranger tout ce qu'il y avait dans la cuisine, enlever ce qu'il y avait dans le lave-vaisselle pour du coup mettre la place pour pouvoir mettre leurs assiettes quand elles seront sales. Donc voilà, souvent je fais ça parce que je les fais manger quand même assez tôt, entre 11h30 et midi, et moi j'ai pas forcément faim à cette heure-ci. Donc j'en profite pour faire mon petit ménage pendant qu'ils mangent et que je sais qu'ils sont tranquilles et pas en train de courir de partout. Et comme d'habitude, vous savez que j'aime bien nettoyer mon évier avec de la crème à récurer. Et j'ai changé de brosse. Donc c'est des petites brosses que j'ai trouvées chez Babou avant que tous les magasins soient fermés. C'était un lot de 3 pour 2 euros. Et dont cette brosse qui est vraiment top parce que vous pouvez vraiment bien la gripper dans votre main et vous frotter de partout. Donc si jamais vous en trouvez aussi en grande surface, n'hésitez pas à les prendre parce que pour nettoyer tous les recoins, c'est vraiment super bien.
Ensuite, une fois le repas fini, évidemment, on passe par le lavage de mains, surtout pour Maddy parce que lui, il touche sa nourriture, il est encore petit. Et on va se brosser les dents. Ça va être pareil pour Noé, lui, il est en train de finir son dessert. Maddy va passer par le pot aussi avant d'aller se coucher. Donc ça y est, maintenant, je ne lui mets plus de couche pour la sieste. Donc je vous avais déjà dit, il est propre à la sieste et la nuit. Mais j'avais toujours peur, je sais toujours une couche culotte. Donc là, je laisse pour la nuit parce qu'on sait jamais, souvent il a des accidents, etc. Mais pour la sieste, ça y est, on ne lui met plus. Donc il est grand. Et avant d'aller se mettre au pot, on va quand même se repasser un petit coup de gant pour se débarbouiller. En ce moment, il veut redormir dans son petit lit de bébé, donc vu qu'on c'est encore la chambre comme avant avec ses rideaux et tout, je le laisse, au moins il aime bien. Et c'est surtout pour être séparé de Noé parce que l'après-midi, ils n'arrivent pas à dormir ensemble, ils font que parler. Le soir encore ça va, ils sont fatigués, mais l'après-midi, ils font que parler, que parler, que parler. Donc pendant ce temps, moi je finis de ranger du coup leurs affaires dans le lave-vaisselle. Je vais passer un petit coup sur la table parce que forcément ils ont un peu sali en mangeant. Et je vais mettre une machine en route, donc je regarde toujours dans les poches pour voir s'ils m'ont pas laissé des choses, autant Walid que les enfants. Je sais pas comment c'est chez vous, mais moi ils me laissent toujours plein de trucs dans les poches, donc je regarde toujours, je regarde si c'est des choses importantes ou pas, et ensuite je mets la machine. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous trouvez que vous faites moins de machines ou plus de machines. Moi j'ai l'impression que j'en fais même plus parce qu'à chaque fois qu'ils sortent du coup dans le jardin, je leur enlève les habits et ça part à la machine. Donc j'ai l'impression de faire même plus de machines que d'habitude. Mais je vois de partout, tout le monde dit ouais c'est trop bien, maintenant qu'on est bloqué, qu'on sort plus, on fait moins de machines. Donc je me dis qu'il y a peut-être un petit problème chez moi. Dites-moi en commentaire comment c'est pour vous au niveau des machines. Et comme je vous avais dit, ma résolution, c'est de prendre le linge une fois qu'il est sorti du sèche-linge et de le plier directement. Bon là, du coup, j'avais laissé passer une petite machine, donc du coup, j'avais deux corbeilles. Je suis allée chercher bébé qui s'est réveillé de la sieste. Et en attendant d'aller plier mon linge, je vais montrer à Noé ses exercices de maths. Donc là, il n'a pas pu les faire en autonomie, c'était un peu compliqué pour lui, donc je lui ai expliqué. Je vous avais montré sur ma story Instagram qu'on avait fait une méthode avec la pâte à modeler, ça lui a beaucoup plu. Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas le temps de refaire toutes les boules à la pâte à modeler. Donc là, j'ai vraiment voulu lui expliquer de faire les multiplications sur un boulier. Et vraiment, il a super bien compris. De toute façon, c'est la base. Vous le savez que les bouliers, ça existe depuis des années, même des centaines d'années, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vraiment top pour apprendre les maths, que ce soit les multiplications, les soustractions, les additions, divisions, je sais pas trop comment on fait, mais j'essaierai de me renseigner. Dans tous les cas, pour Noé, il est dans les multiplications et grâce au boulier, il a pu bien comprendre. Donc là, je lui ai bien expliqué et ensuite, je lui ai fait une liste de calculs et je l'ai laissé en autonomie les finir.
Et pendant ce temps, moi je vais plier le linge, évidemment. Il faut vraiment se motiver, il faut toujours le faire quand vous êtes en mouvement. Pas au moment où vous êtes dans votre canapé en train de rien faire et que vous vous dites « Allez, il faut que je le fasse, allez, il faut que je le fasse. » À ce moment-là, vous ne le ferez pas. Tandis que si vous êtes dans l'action déjà, ben, vous allez être dans le rythme pour le faire. Donc faites-le de suite, au moins c'est fait. Et une fois le linge plié, je mets tout dans les panières et j'irai ranger plus tard parce que sinon ça va me prendre trop de temps si je commence à aller dans toutes les chambres rangées. Donc je fais vraiment panière par panière, je range et je vais mettre au bout du couloir et je m'en occuperai quand tout le monde sera levé. Pendant ce temps, je vais manger vite fait sur mon canapé. Donc ça, c'est ce que je fais quasiment tous les midis. Je vous jure que c'est pas bien, mais c'est vraiment ce que je fais. Je grignote un truc sur le canapé en regardant la télé. Donc là, pour le coup, c'était du taboulé déjà fait. Donc je suis pas trop fan des choses déjà faites, mais là, pour le coup, ça fait 2-3 fois que Walid, il achète du taboulé et je mange tout. J'en laisse à personne parce que vraiment, il est bon. Donc j'essayerai de trouver une recette pour le faire moi-même. Enfin bon, du coup, je mange vite fait sur le canapé. Je regarde ce que j'ai regardé sur l'ordi par rapport à YouTube. Je regarde un peu ce qu'il y a à la télé. Et ensuite, ça va être le moment de donner à manger à bébé. Donc ce midi, il n'y a pas de pot parce qu'en fait, cet après-midi, ça va être un petit pot de compote. Donc ça va être la première fois de sucré pour bébé. Donc là, pas de pot salé à midi. On va faire juste un biberon. Donc beaucoup m'ont demandé si je n'allaitais plus. Donc comme je vous avais dit, je crois que c'est sur Instagram. Non, j'en avais parlé un peu sur YouTube, il me semble. Donc j'essaye de faire un sevrage progressif. Ça veut dire ben, un biberon par jour, ensuite 2 biberons, ensuite 3 biberons pour au fil du temps ne plus allaiter et que bébé soit que au biberon. Donc voilà, c'est un petit sevrage progressif comme ça. Donc forcément, il y a plein de fois où vous allez me voir faire des biberons jusqu'à dans quelques temps où ce sera un sevrage complet. Sometimes I say that I want you back for I don't know if I do Sometimes I sing about the good days we had but they were bad Et ensuite, après manger, la couche est toujours pleine. Donc voilà, on va se changer forcément sur le lit et pas dans la chambre parce qu'il y a Maddy qui dort là-bas. Donc voilà, un petit change juste de la couche. Thank you.
Entre-temps, Maddy s'est réveillée, donc bébé, Noé et Maddy sont partis dans le jardin et moi j'en ai profité pour passer mon petit coup d'aspirateur parce que voilà, c'est le seul moment. C'est ça qui est compliqué quand les enfants sont à la maison, surtout quand vous avez des tout petits, c'est de trouver le moment quand faire l'aspirateur. Parce que quand ils sont dans le salon, forcément vous pouvez pas le faire parce qu'ils sont en train de jouer. Quand ils sont en train de dormir, vous pouvez pas le faire parce que ça va les réveiller. Donc dès que vous avez un petit créneau, faut en profiter et c'est à ce moment-là que vous faites l'aspirateur de toute la maison. Donc là, je vous ai montré que le salon, la cuisine, etc. Mais après je suis partie dans les chambres vite fait parce que je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Et une fois ma machine finie, du coup je mets tout au sèche-linge. Noé m'a vu faire, donc il voulait absolument aider et forcément je n'ai pas dit non. Hein. Vous savez que j'aime bien les laisser en autonomie, c'est surtout que j'aime pas aussi le linge. Donc du coup bah, ça m'arrange, lui il apprend et en même temps moi je fais pas, donc tout va bien. Donc il a tout mis dans le sèche-linge et ensuite on a dû mettre une autre machine, donc il m'a aidé à tout mettre. Et il m'a dit qu'il a vu qu'on était en train de tout faire, donc lui aussi il est arrivé pour demander à faire. Donc forcément j'ai dit oui et je les ai laissés tous les deux mettre dans la machine. Et cet après-midi, on a décidé de faire de la pâte à modeler maison, donc c'est super simple, je vais vous donner la recette. Il va vous falloir un pot et demi de farine, un quart de pot de sel, un pot entier avec de l'eau colorée, donc de la couleur que vous voulez, et un quart de pot d'huile, et c'est aussi simple que ça, donc je les ai laissés pareil faire. Chacun a versé son pot et ensuite Maddy a un peu mélangé, puis c'était Noé, et ensuite c'est moi qui ai re-bien mélangé pour que la pâte soit vraiment bien faite. Et on en a fait deux, donc une chacun. Noé a eu la bleue et Maddy a eu la jaune. Et cette activité c'est vraiment bien parce que du coup ils font la pâte eux-mêmes, donc ça ils adorent. Et en plus du coup c'est de la pâte à modeler, ils vont pouvoir jouer avec et ça se conserve. Alors combien de temps ça se conserve? Je ne sais pas du tout. Je vous avoue que j'ai cherché la recette sur internet, je l'ai trouvée, on l'a fait direct et je n'ai pas trop regardé. En tout cas moi je l'ai conservée dans des boîtes de tupperware en fait que j'ai bien fermées. Et pour l'instant ça va faire 3 jours et ça n'a pas périmé, ça n'a rien fait de spécial. Mais je pense que c'est pas non plus quelque chose qui se garde à vie entre guillemets comme de la pâte à modeler lambda parce qu'il n'y a pas de conservateur ou quoi dedans. Je pense qu'au bout d'une bonne semaine ça doit plus être trop bon. Mais vu que de toute façon on est bloqué avec les enfants à la maison, vous inquiétez pas, ils auront bien le temps de profiter de leur pâte à modeler faite maison. Et au pire des cas après, soit vous allez leur faire faire des petites formes et vous allez la laisser sécher ou la cuire pour après la peindre ou même faire autre chose avec, soit vous jetez et vous allez en refaire. Thank you.
Et si jamais votre pâte colle trop, n'hésitez pas à rajouter de la farine. Donc c'est ce que j'ai fait pour celle de Noé en jaune. Je ne sais pas pourquoi, elle était vraiment beaucoup plus collante que l'autre alors qu'on avait mis exactement les mêmes proportions. Mais bon bref, si jamais ça colle trop, n'hésitez pas à rajouter de la farine. Et du coup, je leur ai laissé leurs outils qu'ils utilisent normalement avec la pâte à modeler toute faite. Et voilà, ils se sont amusés. Et je peux vous le dire que la pâte à modeler, mais ça me sauve, vous savez même pas comment. Pendant au moins une bonne heure et demie, ils jouent sans se disputer. Ils bougent pas, ils sont avec leur pâte à modeler. Et c'est vraiment révolutionnaire, ils adorent jouer à ça et moi au moins je sais que j'ai un petit moment tranquille. Donc du coup, vu que j'avais ce petit moment tranquille, j'en ai profité pour faire un gâteau parce que comme je vous avais dit, j'ai pris aucun gâteau industriel, je fais tout maison et du coup pour le goûter, je suis obligée de le faire. Donc là, je me suis prise un peu tard, mais bon, vu qu'il s'était réveillé tard de la sieste pour Madi et Noé, il avait lu un peu, c'était pas problématique qu'on mange pas pile poil à 16h30 le goûter. Et du coup, j'ai fait un gâteau tout simple. Donc quand vous ne savez pas quoi faire, faites toujours une base de gâteau au yaourt. Donc là, pour le coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un gâteau au yaourt tout simple, j'ai juste rajouté de l'arôme vanille pour qu'il ait le goût de la vanille et ensuite je vais prendre des pommes. Donc j'avais des pommes qui commençaient à être passées, il y en a une où j'ai voulu enlever juste le bout passé mais en fait elle était passée même à l'intérieur donc j'ai lâché l'affaire et j'ai pris d'autres pommes que je vais éplucher, je vais couper en petits morceaux et que je vais rajouter dans ma pâte à gâteau. Et voilà, ça fait un simple gâteau aux pommes. Donc, comme je vous disais, quand vous savez pas quoi faire, vous restez sur une base de gâteau au yaourt, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat, des fruits, donc après pas n'importe lesquels, je pense qu'avec des fraises ou des fruits rouges c'est pas top top comme ça cuit, mais si jamais vous aimez vous pouvez tester. Mais vous pouvez mettre même avec de la banane, vous pouvez rajouter du coup du chocolat fondu et ça va vous faire un gâteau tout chocolat. Vous allez pouvoir rajouter de l'arôme vanille, soit aussi de l'arôme d'amande amère avec aussi de la poudre d'amande. Vous pouvez vraiment faire plusieurs variantes tout en restant avec la même base de gâteau, super simple. Waouh, ouais, très belle ta fleur. Bah, s'il veut pas, tant pis. C'est maman. Merci, Maddy. Regarde, filme-moi. Tant que je suis toute seule. Une fois qu'ils ont fini de jouer avec leur pâte à modeler, ils sont partis se laver les mains. Moi, je leur avais donné un petit chocolat en attendant l'heure du goûter et ils sont partis jouer dans le jardin. Et pendant ce temps, j'ai donné le goûter à bébé. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une petite compote de banane que pareil j'ai fait moi-même. Et franchement, ça a été mangé mais en un instant. Donc voilà, je sais pas comment ça se fait, tous mes enfants adorent la banane. C'est vraiment le fruit de la famille et là ça se confirme encore une fois. Donc du coup voilà, la compote à la banane a été mangée en 5 minutes et ensuite j'avais fait un petit biberon. Thank you.
Et du coup, pendant que mon robot aspirateur était en train de passer, parce que forcément, quand ils ont joué à la pâte à modeler, ils m'ont mis de partout, j'ai rigolé avec mon petit bébé. Donc voilà, c'est vraiment des petits souvenirs comme ça. J'adore, je vous jure, j'adore les bébés. Et surtout ce bébé, mais c'est un truc de fou. C'est vraiment quelque chose, j'ai jamais vécu ça avec les autres. Un bébé qui sourit tout le temps, qui rigole tout le temps. Enfin bref. Donc voilà, le gâteau était fini. Donc je l'ai mis dans ma petite boîte à gâteau que j'avais acheté chez Géant Casino. Mais j'ai vu qu'en ce moment, Lidl la faisait, donc ça s'appelle une cloche à gâteau, donc c'est pour les garder plus frais plus longtemps. Et je vais couper des petites parts pour les enfants. Et voilà, je leur apporte leur petit gâteau. Ils ont vraiment adoré, ils ont trouvé ça super super bon. Donc forcément, vu qu'ils étaient dans le bac à sable, ils sont vite partis se laver les mains. Noé a apporté une lingette pour Maddy pour lui nettoyer les mains et ils ont dévoré leur gâteau. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Vous savez que ça me fait toujours super plaisir. Bisous !